Hey tout le monde, petit message avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo sort à l'occasion d'une promotion chez Olight, ils vont sortir plusieurs nouveautés le 8 mai, demain si vous regardez cette vidéo le 7, et la lampe que je vais vous présenter dans cette vidéo va bénéficier du coup d'une promotion de 25%. Voilà, c'était pour vous avertir, si cette lampe vous intéresse, si vous êtes intéressé par ce rabais, cliquez dans les liens dans la description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur une lampe Olight, mais c'est surtout une vidéo pour vous parler du jeu concours que j'organise du coup. Donc, jeu concours organisé pour les 10 000 abonnés sur YouTube. Donc premièrement, merci à Olight pour m'avoir fourni ces lots que je vais vous faire gagner. Et merci à vous d'être tout simplement 10 000 sur ma chaîne, on est déjà bientôt à 11 000. Donc merci à vous pour votre soutien, ça fait chaud au cœur. Donc ce que je vous propose comme lot à gagner tout simplement, donc c'est ces trois lampes qui sont ici, c'est des Olight i5T EOS qui sont ici, que je vais vous présenter hein, aussi dans cette vidéo. C'est pour ça qu'il y en a une d'ouverte, elle est ouverte juste pour la présenter. Mais voilà, elle est comme neuve. Je vous dis tout de suite comment participer au concours. Le concours va se dérouler sur mon compte Instagram. Et pour participer, c'est très très simple. Il vous suffit de vous abonner à mon compte Instagram, si ce n'est pas déjà fait, et à celui de Olight France. Tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Je vais faire une publication sur mon compte Insta à l'occasion de ce concours. Et il vous suffira tout simplement de mettre un commentaire sur cette publication en identifiant deux personnes. Et je tirerai au sort parmi tous les gens qui ont participé de cette manière. Donc présentation de la lampe, donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis une petite décoration à base de lampe Olight. C'est tout simplement toutes les lampes Olight que j'ai eu entre les mains et que je vous ai présentées sur la chaîne. Comme d'habitude, on a le classique emballage de chez Olight, toujours le même, toujours très sympathique, épuré mais très qualitatif, d'accord. On va tout de suite passer à l'intérieur. Quand on ouvre, on a la lampe qui se présente comme ceci. Donc encore une fois, une lampe avec une esthétique très jolie de chez Olight. On a derrière une notice, la lampe. Ici, une petite étiquette qui nous explique comment mettre en fonction la lampe la première fois. Et voici la lampe. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez jolie. Moi, j'aime bien son esthétique en noir et bleu comme ça, avec un corps sculpté. Donc moi, je la trouve vraiment très jolie en termes de finition. On a aussi, vous voyez, le petit bouton ici avec du relief qui est en caoutchouc qui permet d'avoir une bonne grippe et une bonne sensation, d'accord. Il est un peu mou. Donc ça, c'est pour l'esthétique, d'accord. Vous voyez, en termes de taille, hein, elle est quand même ni trop petite ni trop grosse. Franchement, je trouve qu'elle est dans un bon compromis. Donc pour ce qui est des dimensions, elle fait 9,5 cm de long et 1,8 quasiment cm de diamètre, ok. Alors, c'est une lampe type EDC, d'accord. Donc EDC, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire Everyday Carry, donc ce qu'on porte sur nous tous les jours. Donc on a souvent notre montre, notre portefeuille, notre smartphone, soit un couteau, une lampe, peu importe, on a tous nos petites choses qu'on a tous les jours sur nous lorsqu'on sort de chez nous. Voilà, ça veut dire ça, et donc elle est faite pour ça, donc pour être sur vous tout le temps quand vous sortez de chez vous. Le design a été pensé pour ça, y compris sa fabrication. Ce qui fait que du coup on a une lampe ici qui est petite, forcément, faut pas qu'elle soit trop encombrante, puissante, forcément, puisque faut pas que ça serve uniquement, c'est pas une lampe porte-clés, loin de là, c'est une vraie lampe, d'accord. Fiable et évidemment solide, puisqu'on aura tous les jours chaud sur nous, donc il faut qu'elle résiste au choc, etc. Elle est également étanche, évidemment, hein, comme ça vous n'avez pas peur de vous prendre, si un jour vous prenez la pluie et vous n'êtes pas à l'abri, que vous la faites tomber, hein, encore une fois, c'est une lampe que vous aurez tous les jours sur vous, donc elle est faite pour être résistante et étanche. Elle possède un double clip ceinture qui nous permet de la mettre soit dans ce sens, soit dans celui-là, donc ça c'est assez intéressant pour s'adapter toujours nos pantalons, nos vestes, etc. Et ce clip peut également se retirer si jamais vous trouvez la lampe plus pratique, et bien sans le clip, tout simplement. Et sur ce clip, on a également un trou ici si vous voulez y accrocher une dragonne. Cette lampe fait 60 grammes avec la batterie à l'intérieur, donc c'est plutôt lourd pour la taille, mais c'est pas un inconvénient. Moi je trouve ça comme un avantage qui fait qu'on l'a bien en main, on la sent bien, elle ne nous glisse pas des mains, elle tombe pas. Un produit bien fini comme celui-ci, hein, bien sculpté, assez lourd pour la taille, avec une bonne prise en main, c'est un gage de qualité. Pour ce qui est de sa puissance, elle a deux modes. Mode puissant 300 lumens avec une autonomie de 2h30, donc qui va passer de 200 lumens à 30 lumens progressivement, d'accord, qui va petit à petit diminuer et qui va durer 2h30 ce mode. Et elle a un autre mode, le mode faible, qui est à 15 lumens et qui va durer jusqu'à 20h. Voici les deux modes, on appuie une fois, on est en mode faible ici, hein, en mode luciole, et ici en appuyant
voyez, ça monte progressivement et on est en mode puissant. Donc c'est 300 vrais lumens hein, qui sortent de cette lampe et pour la taille, bah, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment puissant pour la taille. On a vraiment quelque chose d'agréable et de puissant en pleine nuit, c'est assez bluffant. Là évidemment on est en plein jour et en plus en vidéo donc ça rend pas très fort, mais je vous garantis que c'est assez impressionnant pour la taille et on fait déjà pas mal de choses avec cette puissance. Et comme c'est écrit sur la boîte, cette lampe est garantie 5 ans, donc c'est vraiment pas mal pour une lampe de cette catégorie à ces tarifs là et pour ces usages là. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont pensé également pourquoi on pose la lampe. C'est-à-dire qu'ici on a un rebord par-dessus la vitre, ce qui fait qu'on peut poser la lampe debout comme ça, et c'est pas la vitre qui est en contact avec, avec la surface, donc ça ne va pas la rayer ou l'abîmer. Elle fonctionne avec des piles AA classiques, donc c'est assez cool, voilà, c'est assez facile à remplacer, d'accord, vous n'avez pas besoin de câble, etc. Vous mettez une pile, et c'est parti. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette lampe. Forcément, je vais pas vous faire un test de torture sur cette lampe puisque je vais vous les faire gagner, j'en ai pas en rab. voilà, déjà que j'en ai ouvert une. Donc je vais vous les faire gagner, forcément j'ai pas envie de les abîmer ou d'en casser une, ça en ferait une de perdue pour vous. Donc encore une fois, le concours se passe sur Instagram, vous avez les instructions au début de la vidéo, je vais pas vous les rappeler. Donc bah, que le meilleur gagne si je puis dire, je suis content de vous offrir ces lots, de vous faire ces petits cadeaux, donc c'est ma manière à moi de vous remercier. Voilà, donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube et surtout abonnez-vous à mon compte Instagram puisque c'est là-bas que se passent tous mes jeux concours, etc. Donc allez-y puisqu'on est à peine 230 sur mon compte Instagram et on est 11 000 sur la chaîne YouTube. Donc il y a un écart assez énorme. Donc n'hésitez pas à aller sur ce compte Insta. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette lampe en commentaire. Et pourquoi pas, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme lampe en EDC. Voilà, à tout bientôt, ciao.